Il représente notre pays, et il le représente avec amour, avec les vraies valeurs serbes. D'une certaine manière, c'est toujours lui qui est mis à l'écart et puni, celui dont on parle, et je veux juste lui montrer mon soutien. Dans cette affaire, Novak Djokovic n'a pas que des partisans, y compris chez ses pairs. Rafael Nadal rappelle que les règles sont les mêmes pour tout le monde. Je ne veux pas avoir à vous donner mon opinion tant que je ne dispose pas de toutes les informations. La seule chose qui est claire pour moi, c'est que si vous êtes vacciné, vous pouvez jouer l'Open d'Australie et partout ailleurs. À mon avis, le monde a suffisamment souffert pour ne pas suivre les règles. Novak Djokovic, qui a passé le Noël orthodoxe dans ce qui est habituellement un centre de rétention pour migrants, ne sera pas expulsé avant lundi et une nouvelle audience devant un juge de Melbourne. Si jamais il obtenait gain de cause, il serait en mesure de disputer l'Open d'Australie et d'y briguer un 21e titre du Grand Chelem, un record.